Les gardes sont vigilants par ici. Eivor, bienvenue sur le marché de l'Ouest. La présence d'un homme en armes peut rendre nerveux dans un tel endroit. Pourquoi ne mets-tu pas une cape? Me cacher le visage? Sûrement pas. Ça fait du bien aux gens de voir la loi au travail. Une fois la flèche retrouvée, cet ordre devra comprendre que l'ascensus et le compas seront les prochains. As-tu des nouvelles de la flèche et des recrues? Des murmures seulement. Quelqu'un distribue une pièce. Elle permet de prendre part à un concours organisé par les hommes de la Flèche. Qui ? Il y a beaucoup de monde ici. Il sait se cacher. Je ne l'ai pas encore remarqué aujourd'hui. Je vais aller jeter un œil. Toi, reste ici. Eivor, qu'est-ce que tu penses, Derke ? Tu le connais mieux que moi. Si tu le soupçonnes, il te suffit d'un mot. Non. Non, je crois en Erke. Faut de croire en moi-même. Parfois, je me sens indigne de ma charge. Pardonne-moi, j'ai l'esprit embrouillé ces temps-ci. Je suis, depuis si longtemps, au service de la justice de Dieu. Je lui ai sacrifié mes attachements terrestres. Mais pas Erke et l'amitié que tu lui portes. Non. Je ne sais pas si je pourrais. Fais bien de parler. Cela éclaircit l'esprit et ôte un poids sur la poitrine. Certainement, oui. Et merci de m'avoir écouté. Il faut que je trouve une de ces pièces. Tu restes près d'ici? Je vais retourner à Saint-Paul, un peu plus loin. Bonne chance, Eivor. C'est l'heure de ton combat! Help!
Donne-moi la force. Reste pas là, toi. Va donc voir ailleurs si j'y suis. J'ai un arc, et je suis prête à servir la flèche. Pourquoi rejeter l'œil le plus vif de Bretagne? Je suis pas arrivé où j'en suis en croyant toutes les foutaises qu'on me raconte. Qu'est-ce qui me prouve que t'es pas un rat qui cherche à couler notre bateau? Sûrement pas. C'est un ami commun qui m'envoie. Oh, vraiment? Et comment il s'appelle, cet ami? Laisse-moi un peu de temps. Très bien, comme tu veux. Et voilà. Une image du Colisée de Lunden est gravée sur cette pièce. Tu es là pourquoi? Tirer ou regarder? Vous cherchez de bons tireurs à l'arc. Tu viens d'en trouver une. C'est un concours privé, sur invitation. Tes hommes distribuent ces pièces comme si elles leur brûlaient les mains. Est-ce que cela suffira? C'est assez pour qu'on parle. Mais avant d'aller plus loin, je veux voir ce que tu sais faire avec cet arc. Tu veux t'échauffer un peu avant? J'ai assez d'entraînement comme ça. Commençons. Bon, si tu te sens prête, allons-y. C'est un concours très simple. Il faut toucher toutes les cibles tant que le sable coule. Voilà une nouvelle concurrente, une femme du Nord venue de la Mercy sauvage. Et notre champion actuel, Israël. Eh bien, à vos marches. Faucher, lance, lèche en faucher, tirez. C'est longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un viser aussi bien. Ah, tu sais tirer. Tu viens de gagner ta place auprès de la flèche. Et il aura hâte de te rencontrer. Va jusqu'à l'Arche Impériale parler à notre homme, Oussa. Dis-lui, puisse le Père de la Sagesse nous guider. Et il saura que c'est toi. Ah.
C'est toi ou ça? Oui. Et qui le demande? Puisse le père de la sagesse nous guider. Et puisse la mère de la connaissance nous renforcer. Installe-toi là-bas. Fais belle figure devant la flèche. Et ne bouge pas. Mes amis, mes frères, bonnes gens de Lunden, notre semaine a été dure. De lâches envahisseurs sont entrés dans la demeure du gouverneur et ils lui ont pris la vie. Trigre, mon ami, mon chef, il a été tué comme un chien par des étrangers, par l'ennemi. Peut-on compter sur ces magistrats? Approchez, ne lui laissez pas de place. Baissez le dos. Protégez la retraite. Ne restez pas là, bande d'enfantés. Ce n'est pas chose facile de faire de ces rats des villes de nobles guerriers. En place ! Tu n'as rien fait de tel. Tu les as simplement pris au piège de leur peur. Tirez sur la corde ! Les premiers, décochez ! Non, je leur ai appris l'ordre. Je leur ai donné un but. Pour leur montrer qui est leur ennemi commun. À vos cordes ! Second, décochez ! J'étais la flèche de leur rage. Sans aucun ennemi à abattre, c'est nous-mêmes que nous dévorons. Il dit vrai, un homme sans ennemi se consume. Cherche à loisir toutes les excuses. Tu es un régicide et un lâche. Puissant cheval, tu en aurais fait autant à ma place. Visez et tirez! On m'attaquera à vue par ici.